Les acteurs culturels qui s'illustrent le plus dans leur domaine verront encore leurs efforts récompensés cette année. Et ce, à l'occasion de la soirée de distinction dédiée aux personnalités culturelles aux éditions 2024. Pour cette 13e édition, trois nouveaux corps de métiers culturels font leur retour parmi les 12 catégories nominées. Les catégories qui font leur retour pour cette édition, c'est le photographe de l'année, tout simplement parce que la photographie de plus en plus est omniprésente dans nos activités culturelles. Nous avons également une catégorie qui revient, c'est le styliste de l'année. Cette année, il y a beaucoup de stylistes qui se sont illustrés tant sur le plan national qu'international, c'est important. Et puis aussi, nous avons les maisons de production. De plus en plus, elles sont professionnelles, maisons de production d'artistes musiciens. Elle participe à beaucoup de rencontres, que ce soit sur le temps international que sur le plan national. Et nos artistes aussi voyagent déjà de plus en plus. L'innovation cette année, c'est l'instauration d'un prix spécial de la résilience. Depuis pratiquement 7 ans, 8 ans, les acteurs culturels, le secteur culturel se bat beaucoup pour faire en sorte que la culture burkinabé et le Burkina Faso restent debout. Et malgré les turpitudes de la vie, nous continuons justement à danser, à présenter nos œuvres, à sortir nos bouquins, à organiser des événements et surtout à identifier les acteurs culturels qui ont fait preuve de résilience. Donc voilà pourquoi cette année, nous aurons un prix spécial pour l'acteur ou l'actrice culturelle, quelle que soit la filière, n'est-ce pas, qui sera un peu le porte-drapeau de notre culture. Il ne sera pas en compétition, mais ça serait un peu comme notre capitaine que le comité d'organisation, y compris avec les membres du jury, vont choisir comme l'acteur ou l'actrice culturelle résiliente de l'année. Les 12 PCA 2024 ambitionnent aussi de s'ouvrir davantage aux autres villes du pays. Nous nous ouvrons justement sur l'ensemble du territoire national parce que les nominés également viendront des 13 régions du Burkina, pas forcément de toutes les 13 régions, mais les plus méritants viendront de là-bas. Parce qu'on organisait tout, notamment sur le plan, sur les grandes métropoles, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, alors que la culture elle est vaste et notamment transversale. La soirée des 12 personnalités culturelles de l'année est prévue pour le 3 janvier 2025. Les catégories de distinction choisies sont le spectacle de l'année, le manager de l'artiste de l'année, l'instrumentiste de l'année, le styliste de l'année, le manager de discothèque de l'année, l'artiste musicien de l'année, le maître de cérémonie de l'année, le réalisateur de clip de l'année, le danseur chorégraphe de l'année, le journaliste culturel de l'année, le photographe de l'année, le disque jockey de l'année et la maison de production de l'année.